Salut à tous, ça s'appelle un dérapage contrôlé en Warthog. Je vous salue bien bas et je vous souhaite la bienvenue bien sûr pour cette nouvelle vidéo. Je vais me permettre de le dire, voilà, vidéo un peu particulière parce que bizarrement je me permets de le dire parce que c'est le cas. Vidéo particulière, c'est pas un clip, c'est pas un Halo Tari. Voilà, c'est une vidéo qui rentre pas vraiment dans une catégorie parce que voilà, on est tous là pour du Halo, ça c'est pas nouveau. Mais des fois, c'est pas que sur les jeux Halo qu'il y a du Halo. Voilà, vous l'avez vu dans la miniature certainement dans le titre. Aujourd'hui, on va s'attarder quelque peu sur Forza Horizon 4, hein, le dernier Forza sorti sur la Xbox One, tout beau, tout neuf quasiment. Et il s'avère qu'il y a un système, voilà, je vous le dis, il y a un système plus ou moins d'event dans le jeu. Et il s'avère une fois de plus que l'un de ces events, il se peut que l'un de ces events ait touché à Halo. Donc voilà, même si vous avez peut-être déjà le jeu, je pense que si beaucoup d'entre vous qui d'une part n'ont pas encore le jeu, si vous voulez vous le prendre un jour ou qui ne l'auront jamais, donc on s'est dit sur Halo SF, pourquoi pas vous faire profiter de ce gameplay là et de la fameuse mission, enfin je vous laisse découvrir, mais de ce gameplay sur Forza slash Halo, on peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs je remercie Serizawa qui est le joueur qui nous a envoyé son gameplay. Donc ça a été très gentil de sa part de nous envoyer. Et je vais pas m'attarder plus longtemps. On a hésité en fait à vous commenter en direct ce gameplay. Et on s'est dit non, pour ceux qui n'ont pas le jeu, comme le gameplay se suffit à lui-même, il y a de la musique, il y a du son, vous allez voir. D'ailleurs je vous conseille, concentrez-vous bien sur le son, sur le visuel, sur toute la vidéo, parce qu'il y a pas mal d'easter eggs et de clins d'œil à la série Halo. Vous allez voir, ils sont assez nombreux. Et je serais curieux de voir si vous les aurez tous cramés, mais voilà, il y a pas mal de trucs intéressants. Donc on s'est dit qu'on allait vous mettre le gameplay juste brut, vous laisser profiter du spectacle, et en parlant de vous laisser profiter du spectacle, je vais vous laisser dès maintenant regarder ce gameplay-là. Dernier petit point avant de vous lancer, il s'avère qu'il y a un dernier easter egg que nous-mêmes nous avons ajouté à la vidéo nous-mêmes, donc celles et ceux qui trouveront, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, bien entendu, et à vous la péter, comme on vous l'incite de temps en temps à le faire, voilà, ça nous fera plaisir. Tout ça pour dire, je ferai pas doute trop pour cette vidéo parce que ça sert à rien, donc je vous quitte dès maintenant, je vous laisse profiter de la vidéo, kiffez bien, et puis bah on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, ok on fait ça, allez ciao, vive les Warthog. Cortana, vous m'entendez? Il vous faut un chauffeur, je crois. Cortana, Akilo. Juste à temps. Nous en avons fini et nous sommes prêts à partir. Wow! On annule tout. Désolé, Cortana. Je dois me débarrasser d'eux. Affirmatif, Kilo. Je cherche une nouvelle zone d'atterrissage. Major, on y va. Sortez-nous de là. Cortana, c'est quoi cet endroit? Je ne sais pas. On dirait une sorte de fortification, mais elle n'a pas été utilisée depuis des siècles. Spartan, on va réussir à rentrer chez nous alors. On a la zone d'atterrissage. Il reste peu de temps. Cet endroit va partir en fumée dans 3 minutes. Mieux vaut ne plus être dans les parages. Marines, les coordonnées sont dans votre système. Évacuation dans 3 minutes. Bien reçu, Cortana. Hurray ! Regardez ces habitations anciennes. On dirait que quelque chose vit ici. Continuez tout droit. On évitera sûrement mieux les banshees dans des sentiers battus. Ouah ! Oh, des banshees, attention ! Banshees en approche ! Essayez de les semer à travers ces arbres ! Des Banshees, on fonce. Une Banshee, sauvez-nous, Major. Cortana aux unités de soutien aérien. Voici les coordonnées de la zone d'atterrissage. Demandons évacuation immédiate. Je répète, toutes les unités sur la zone. Cortana,
Cortana, je vois 3, 4, non, 5 pélicans en route vers la zone d'atterrissage. J'espère que vous serez bientôt sur place. Cortana, je ne peux pas vous suivre ici. On se voit de l'autre côté. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant à entendre. Cette grotte n'est pas naturelle, on dirait. Echo! J'aime pas ça. C'est bien trop silencieux. Kilo, vous m'entendez? Kilo! Wouh! 5 sur 5, Cortana! Ravi de vous revoir, pilote. Ce serait dommage d'atteindre la zone sans vous. La zone est droit devant. Il reste 30 secondes avant que la superstructure de l'anneau s'effondre. Grand temps d'y aller.